Que toutes les cités du monde vivent toujours en paix sous la douceur de son sceptre. Où sont-ils, les pastoureaux de la croisade des enfants? Où sont-ils, les pèlerins du monde? Les bâtisseurs des cathédrales? Les Vendéens fidèles à Dieu et au roi? Les saints et les martyrs de l'église de demain.
Nous préparons pour la prière dans le silence de notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Adutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum. Oremus, Domine Deus, Pater omnipotens, Lumen deficiens, Dies conditor. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, lumière sans déclin, vous êtes le Créateur de toutes les lumières. Sanctifiez ce feu nouveau et faites qu'après les ténèbres de ce monde, nous puissions parvenir près de vous, lumière sans déclin, avec des âmes pures, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons chanter pour clore ces feux, ces 12e feux de la Saint-Jean, Christus Vinci, en regardant le mont Saint-Michel, qui est toute notre espérance et qui est le symbole de résurrection. Christus Vinci. Après l'émerveillement des feux de la Saint-Jean, le lendemain au grand jour, nous avons retrouvé le mont, cité, forteresse et sanctuaire. La grand-messe célébrée par le père Jean-Paul Arguarche devant la représentation du mont a porté vers le ciel la prière de plus de 4000 fidèles aux intentions du scoutisme catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis venu allumer un feu sur la terre pour qu'il brûle. Chaque fois que nous allumons les feux de la Saint-Jean, je pense à cette phrase du Christ. Je suis venu allumer un feu sur la terre pour qu'il brûle. Chaque fois que nous allumons les feux de la Saint-Jean, nous prions pour que le Christ allume en nous le feu de son amour. Et comment ne pas évoquer Saint-Jean et sa mission? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut et tu seras son éclaireur, avait dit son père Zacharie. Et Saint-Jean nous a montré ce que doit être un véritable éclaireur. Parce que nous sommes scouts, nous aimons Saint-Jean, nous voulons suivre son exemple. Et Saint-Jean reste une lampe ardente et brûlante. Il veut faire de nous des âmes de feu, non pas des âmes tièdes, parce que le Christ a promis les tièdes, mais des âmes de feu, des âmes d'apôtres, des âmes qui se donnent, des âmes qui ne doutent pas, parce que l'Église est belle, elle est une, sainte, catholique, apostolique et romaine. C'est l'Église des saints, des martyrs que nous aimons, des sacrements toujours les mêmes, qui sont canaux de la grâce. Les routes faciles sont celles qui descendent. Si la route du Christ est dure à gravir, elle nous élève. Plus on s'élève, plus on monte, plus on pénètre dans la lumière. N'est-ce pas l'aventure du Mont Saint-Michel, au moment où je l'évoque, ce soleil brille et réchauffe nos âmes. Nous t'avons construit, tu nous as élevés. Au cours de cette messe d'action de grâce, nous avons partagé avec les participants des feux de la Saint-Jean la ferveur de nos pèlerinages au pied de la merveille. Mont Saint-Michel, nous avions promis de chanter ton histoire et l'archange a béni nos efforts. Nous avions prié avec ferveur dans l'immensité de la baie.
et notre prière est devenue un chant de reconnaissance, repris par des milliers d'amis et de scouts de toutes associations. Depuis la nuit de la Saint-Jean, le Mont Saint-Michel n'est plus pour nous un monument de pierre figé dans le passé, mais un fascinant témoin de la pérennité de la foi, de la jeunesse de l'Église, un appel à vivre avec plus de ferveur la vie liturgique et sacramentelle. La jeunesse est toujours capable de s'enthousiasmer, de se dépenser sans compter lorsqu'on lui parle clair. Les exigences du scoutisme restent pour nos enfants une route d'épanouissement et de liberté. Franchise, dévouement, pureté. Une jeunesse se lève, prête à prendre le relais, à transmettre le flambeau de la tradition. Il faut convoquer la jeunesse qui doute et qui cherche dans les difficultés de la vie. Lui faire entendre l'appel des pèlerinages, la rassembler sur les hauts lieux, parler le langage de la foi, ouvrir les portes à l'espérance. Il faut lui apprendre à regarder plus loin, plus haut, à dresser dans le ciel les étendards de chrétienté, à entendre le cri de l'archange : « Nul n'est semblable à Dieu ».